Voilà, là on se retrouve sur le point Hades, ici, et c'est une prison, il y a une autre équipe qui est là, donc on va essayer de défendre la zone, c'est une prison qu'il y a, voilà. Bon, j'ai déjà fait un wipe, je suis déjà mort là une fois, donc bon, on va essayer de donner un peu d'ambiance. Moi j'ai vu un mec là, ah là regardez, je crois qu'il y en a un là. On va faire comme ça, hop, on tire une balle au-dessus. C'est des alliés en fait. Non, négatif, ils sont des uniformes gris. Je vais tirer dessus par des alliés. Ça, c'est pas des alliés, ça. Si je tombe, je vais me fracasser quelque chose. Lui, il a découvert, mais bon, voilà, bah il est mort. Ah bah voilà, ils m'ont eu. Oh, c'est bien. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je meurs ou qu'on meurt, le GM doit nous repositionner ou nous renvoyer sur zone. Donc c'est compliqué pour lui, quoi. Pourquoi je suis toujours activé? J'ai trouvé ton corgue. Ouais, vous venez pas me sauver, bande d'enculé. Tu étais dans la salle d'à côté. Bah ouais, personne prend mes nouvelles, bande d'enculé. Surtout que je parle tout le temps. Le problème, c'est que je peux pas monter vous rejoindre, il y a des tirs partout, c'est bien de la cour. Non mais c'est de ta faute, Alexion, je te déteste. Alors, on est bien positionné. Là, ici. C'est un allié ou pas? Je vais monter, tant pis, je vais laisser l'autre en bas, tout seul. Non mais je suis mort! Mais pas toi, 14! Ah, ok. Julien, on pourra pas tous les sauver, les ennemis, ils sont en train de suivre. À part le mec qui est dans cette tour là, je vois personne d'autre. Ouh! Waouh, ça rame. Alors. Dark Boy, je suis à l'extérieur de l'enceinte. Je sais pas où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes au respawn ou est-ce que vous êtes à l'intérieur? À l'intérieur, mais il y a des gens dans l'enceinte. Oui, je confirme, il y a des gens dans l'enceinte. Et vous êtes dans un bâtiment en particulier, un bâtiment jaune par exemple, ou un autre bâtiment? Dans le bâtiment jaune, le commissariat avec la verrière. D'accord, ok, je vous ai vu alors. Il y a des ennemis dedans, c'est le chaos. On est tous les deux au premier étage. D'accord, et le mec qui avait sur le toit au niveau de truc en verrière, c'était allié ou ennemi? C'était ennemi, je l'ai descendu. Ok, donc pour moi j'ai vu une troupe ennemie à ton ouest. Ah, je peux plus jouer là, ça casse tout le temps, ça me fait mal aux yeux. On va essayer d'approcher. Dark Boy, j'approche par le sud, mais je suis tout seul. Ok, normalement le commissariat, il n'y a plus personne qui bouge, ça a l'air clair, mais je peux pas t'assurer.
Bah ouais. Il y a des méchants tout près, les mecs. Parlez pas. Là, j'essaie de les approcher dans leur dos. Oui, je suis à côté d'un groupe qui est en train de se soigner. Ok, non, on est dans le bâtiment jaune. On vient mettre une fumée rouge dessus. Ok, tu peux nous rejoindre, c'est clair. D'accord, je vais mettre une fumigène rouge sur le groupe en train de se soigner. Reçu. Qui a quel azimut à peu près du commissariat? Tiens, je leur ai rebalancé une fumigène rouge. Ils sont azimut 320 à l'extérieur de la tour. C'est pris, je l'ai dit. Direction bâtiment jaune, bâtiment jaune. Ils vont foncer sur le bâtiment jaune. Ils vont foncer sur le bâtiment jaune. Vous êtes parti où? C'est un autre étage. Oh, ça arrive, X. Ça arrive, ça arrive. Tu vois la fumigène rouge ou pas? Et eh ben ils fuient vers votre position à vous. On les tient en tenaille à deux. J'ai fermé la grille. Bien crache. Merde. Y'a plus personne dans le bâtiment jaune? Je suis mort. Il a une D5 le mec, je l'ai vu. Ah y'a Stein et Bobby sur moi qu'on crache hein. J'ai deux vous images. Vous savez? C'est moi qui ouais, ouais, non, non, mais j'ai deux images par seconde à l'intérieur du pénitencier. Ah je crois que c'est la mort là. Oh là là, je peux même pas avancer. Il y a des mecs avec des pécanes. Bon, je sais pas. Alors, ouais, je suis toujours dans le pénitencier. Je suis dans la tour qui est plus à l'extérieur, à l'ouest. Un rendeur pour Scorpion, je suis de retour. Bien pris, Scorpion. On est au pénitencier, je suis tout seul apparemment. Ok, c'est pris, je suis tout seul. Comment vous avez... Hein? T'es où? Hein? What? Même le GM me cherche. Je suis un vrai... Marauder pour camarade Ragboy, faites-leur payer et passe au chapitre suivant. Il y en a qui descendent juste en dessous. Ils vont payer ces chiens d'infidèles. Ouais, vas-y, fais ton médecin, t'as raison, tiens, attends, bouge pas. Smoke rouge, bah oui. Je le mets dans l'ambiance. Ok, mais courez. Ouais, courez. Il est où le mec blessé là? Je me suis relevé. C'est bon? Chut. Et Pythagore est mort.
T'es encore en vie? Non, il est mort. Le matos fait, ça servira plus à rien. C'est vrai, il te servira à rien. Oh la vache. Ah, oh, il a dû être vexé. Pour moi, c'est nature. J'en ai eu que deux, fais chier. Offensif sur la droite, nord-est. Ah, c'était très bon. Ah là, c'était excellent même. On est dans la tour nord-est, c'est le Par contre, j'ai plus mes grenades rouges. Ah, ça, c'est bon. Les grenades rouges, c'est excellent, en fait. Il suffit même pas de tirer, même pas de blesser. Ah bah merci, Free, ça, je veux bien que tu me le clips, ça. Il y a un nouveau stuff molette là où je vais te faire. De quoi? Là où je vais te TP, il y a un stuff molette. Ah bon? Tu prendras ce que tu veux, t'as même pas besoin de te récupérer, c'est déjà tout fait. Vous devez tenir le commissariat, ok? Encore? Putain la vache. J'espère que... Bon là j'en ai buté deux quand même, il est en train de se... Ouais, je t'ai vu, c'était un objectif, mais là c'est le dernier objectif, donc c'est la dernière barre au... Mais tu m'avais bien dit de me lâcher, on est bien d'accord. Ah bah là c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Ce sera ah bon. Un PP pour tout le monde, hein, la T'es fin, sûr, hein? Je veux pas qu'il y ait de problème. Donne clic, tu m'as entendu? Oui, TP. Tu m'as entendu, Donne clic? Oui, t'as entendu, il t'a entendu, il te le répète, mais je sais pas si toi tu l'entends. De sourds, là. Ah, faut les attendre, hein. Vous êtes en vie, vous? Putain. Là, moi, je suis dans le mal au premier, mais c'est bon, je viens de reprendre conscience. Est-ce que quelqu'un... De Ragboy, je suis... On m'a dit le commissariat, alors par contre, attends, je vais vous dire ça. Bah, tu vas venir là ou ça fait ça? De Ragboy, je suis sur Zeus, le point de Zeus. Oui, je sais. Ok, bah bravo, bah écoutez. Faut défendre. Par France, on est dans une des baraques à côté, on essaye de la défendre. France, on est dans le commissariat et on défend toute la ville. On défend dans le commissariat. Hein. Mettez-vous aux étages et on va défendre le commissariat. À l'étage, il y a qu'une seule pièce pour. Il y a l'hélico. Ah oui, effectivement, c'est la merde. Oui, bon, bah on va se répartir. Ok, donc on monte pas à la pièce, on reste en bas, on reste en bas. On m'a confirmé que c'était la dernière assaut, donc vous me flinguez tout ce qui passe. Putain, bien joué la requête, incroyable ce que t'as fait là. Non, il se casse. Je sais pas si qui est tiré. Non, il revient faire un baroud d'honneur là. J'ai l'impression que ça touche plus que sur BF 2042. Tout le monde a pris des Bah ouais, parce que sinon, si j'avais pris un AT, ça aurait été plus sympa. Ouais, c'est parti. Je vais leur mettre une roquette en plein dans le pif. Il y a Elix Sirius, faut le heal là, mais il est en modéré. Oui, mais il manque du sang, mais je crois qu'on a aucun spé qui peut mettre du sang. On a perdu, parce... Mais il a du matos perdu dans tous les cas, en fait, c'est juste qu'on n'a pas la fée, en fait. Vous avez pris des positions quand même dans différents bâtiments ou vous restez en bas? Ragboy, est-ce que tu peux demander à Dunclick si peut pas tu piques à Helix parce qu'on peut pas le soigner? Ok, c'est noté, merci de me prévenir, c'est gentil. Maraudeur de Scorpion, on a besoin de Helix sur Helix de remettre une picouse parce qu'on n'arrive pas à le mettre du sang. Azimut 38 dans des tranchées. Ils ont pas bougé?
Négatif, je leur ai mis une roquette dans le pif. Tu peux nous dire où est-ce qu'ils sont, s'il te plaît, redis-moi. 38, azimut 38 dans des tranchées en nord-est, à côté d'une maison. Bon, je tire dessus. C'est n'importe quoi. Bonjour. Attends, je vais descendre. Scorpion pour maraudeur, apparemment Elix aurait besoin de sang. Scorpion pour maraudeur, Elix aurait besoin de sang. Ils sont 45. Alors nous on est 5. Tu peux la mettre dans la maison, la maison, l'arbre qui est au niveau de la maison, faut que tu la mettes dans donc la ouais, maison. Ils sont encore 40 hein, contre nous. Hein. Mais je pense qu'on leur a offert une belle résistance. Voilà. Personnellement, j'ai jamais vu ça. 5 personnes qui envoient autant que ça, ça me paraît incroyable. Non mais il y a un bunker ici. Nice. Si t'en as une autre, la maison juste sur la gauche. J'en ai pas deux. À moins que vous ayez des roquettes. Je vais aller voir sur les cadavres. C'est qui le vieux, c'est pas... Alors, on monte pas sa tête par la fenêtre. Et mettre ton bipiette, hein. J'ai pas besoin de ça pour mettre des têtes. Par contre, j'ai pris cher. On vient de prendre un bombardement à l'extérieur. Oui, il y a un indice. Je pense qu'on s'est tiré par un Apache. Il vient de défoncer la croupe. Il a pu tous les packs à l'extérieur. Ouais, c'est du PVP là. Ouais, c'est vrai que ça a dû basculer en PVP. J'ai pas fait gaffe. Non, c'est vraiment un indice. Ouais. Je pense que c'est plus un appui de Zeus, autre chose. Ouais, mais ils ont raison aussi. Alors, en vrai, là, on est en train de les bloquer complètement. Là, bah oui, on les bloque. En vrai, je pense que la meilleure solution, c'est de rester dans notre bâtiment. Ouais, c'est dangereux là où je suis. Ouais, ok, bonne idée, on reste dans le bâtiment. On va leur laisser souffler, on va se regrouper dans ce bâtiment là, d'accord? Laissez-les souffler, laissez-les souffler. Laissez-les souffler, ils vont revenir, ils vont se remotiver et on va faire préparer des défenses. Je vois, il y en a un qui a creusé une tranchée vers l'entrée. C'est très bien, de toute façon, ils ne pourront pas rentrer autrement que de faire péter un mur ou de passer par l'entrée principale. Donc laissez-les souffler un peu. C'est pris? J'ai pas eu de réponse. Reçu de surprise, c'est pris pour l'instant. Allez, comme ça. On va laisser un peu souffler les pépères. Attention, j'entends des tirs proches. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être déjà réussi à faire le tour. Il y a un Adis qui a nos astrap. Creusez des tranchées, hein. Faites des choses. Préparez-moi un verdun là. Moi, je veux une belle tranchée, une belle défense là. Je veux qu'on s'en paye une bonne tranche, tu vois. Allez, on creuse. C'est ça, des pièges à loups, ouais. Est-ce qu'on a des pièges à loups? Putain, ça chie. Là, par contre, j'ai décidé de faire une énorme tranchée. J'aurais peut-être pas dû faire une tranchée si énorme en fait. Ils ont avancé? Ouais, ils avancent par le nord. Putain, la tranchée de fou que je suis en train de faire, mais qu'est-ce qui m'a pris là?
J'aurais pas dû prendre l'option grande tranchée là, c'est hyper long. Je pense que, comme tu l'as dit, on te reverra en Chine, ouais, ouais, bah, c'est clair. Non, bah, là, j'aurais dû prendre un motoculteur, un tractopelle, une mini-pelle, ils et puis hop. Leur tranchée, par contre, ils sont toujours parce que là, ils sont pas leur tranchée, mais y a effectivement, on en a pour long, là. Vers l'est. Putain, la 10. Alors, regarde, laissez les un peu avancer. Scorpion pour maraudeur, vous m'entendez? Scorpion pour maraudeur. Ah, il nous a abandonné, le salopard. Je pense qu'on va creuser une tranchée là. La lisse vient de tirer dans la cour. Il me fait un médecin. Je prie des balles d'adresse. Le médecin est à terre. Okay, je vais le range aussi là. Faut des premiers secours, s'il vous plaît. Ragboy, tu peux en demander à la technique pour X parce que c'est un moment qu'il a fait. Ah bon, mais je lui avais dit non. Je crois qu'il est toujours. Là, il y a des mecs qui sont collés, ils ont pris des véhicules. Maraudeur, on aurait besoin d'aide, maraudeur, sur la zone, il y a des personnes qui se vident de leur sang et on peut pas les soigner. J'essaye d'appeler depuis tout à l'heure, mais il répond pas. Hein. Ils ont touché les murs. Reçu le. Quel mur? Sur quel mur ils sont? C'est énorme, mais là ils sont vraiment. Oui. Je confirme, ils sont arrivés. Oh! Pété. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, mais tout m'est tombé sur la gueule. Je sais pas, Non. Ah si, ça y est. Bienvenue à toi, Marius. Et merde. Voilà, pour cette fin de mission, donc je vous montre un petit peu en Zeus. On était ici. Moi, je suis mort par là, je crois. Non, pas par là, je suis mort sur ce bâtiment qui s'est cassé. Là, vous voyez, il y a Bakou qui est le dernier résistant, Kator qui est à l'étage, Elix qui se vide. Il y a l'Adis qui est dans le coin. Hélicoptère. Je regarde toujours dans le sens où il est pas. Là où on peut se faire tanker, peut-être pas. Ouais, prends les ailes, ils sont en train de tirer sur les gens. Ça sert à rien que ces ailes. Ah non, ils sont trois. Gator, Pakou et Wang. Voilà, il est planqué là. Je rigole, s'il y a de la dissipée à câble, il commence à tirer sur nous et du coup tu prends les tirs. Ouais, ils sont là, ils sont en train de s'organiser à l'extérieur en disant qu'ils peuvent sûrement pas rentrer. C'est difficile hein, de gérer la souris là comme ça. Salut Gaël, ça va très bien, bah, je te remercie. Écoute, voilà, c'est la fin de soirée, donc les derniers potes ils font un baroud d'honneur ici. Ouais, il y a Arsenic. Ouais. Ils ont réussi à coller, ils ont réussi à rentrer, on les a bloqués une fois, mais là. Voilà, c'est le fameux mur que j'ai planté. Ouais, non, ouais, mais là de toute façon ils sont en train de rentrer. Hein. Là, ils font plus pas grand chose. On peut les ralentir, mais pas. Non, mais là, c'est le but, c'est de finir, quoi. Bah oui, celui-là, il est quasiment... Bah, c'est le patron de l'arrière, mais il y en a pêche. Ouais, ils se défendent, hein. Putain, la vache. Ah bah, ils sont montés sur le toit, c'est bon, ça. Regarde, Olivier Durval. À mon avis, sans les A10, il serait jamais refaire. Sans les A10... C'est là qu'on voit que le CQB, c'est pas si simple, en vrai. Ah bah non, oui. Ah bah, tu sais que pour un défenseur, il faut 5 attaquants, hein. C'est pas une bonne idée. Et comme dit, sans la 10, ils seraient jamais rentrés parce qu'ils auraient jamais pu nous approcher dessus près. Bakou qui est en train de carry la défense. Tu t'es mis en Zeus ? Putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah voilà. Ah Bakou. Bonne soirée.
soirée. Salam à vous les frères. Salam. Houya. Ah, c'était extraordinaire. Oh, moi j'avoue que c'est génial. Ouais, moi j'ai eu les engagements les plus violents de ma vie, du coup les plus stylés. Ouais, c'est quoi c'est le deuxième là qu'on a eu dans le village, dans le compound là, waouh. J'ai pas tué deux hélicos. J'espère que ça leur aura plu aussi de l'autre côté. Je pense qu'ils sont salés quand même. Alors pour la dernière chose, je pense qu'ils doivent être. Ouais, je pense qu'ils sont salés. Ouais. Oui. Arsenic. Oui. Eh ben la vache, je viens de payer ma meilleure sieste à la fin. Ouais. Ah t'étais pas mort. Non non, il y en a un qui vient de tomber parce qu'ils ont grenadé par... En fait l'avion, s'il a fait un premier raid. Et bah avant il y a plus de Gator. Gator il est là. Regardez ça, il est ici. Attends, je regarde son stream. Première rafale sur le bâtiment. Et bah je l'ai pris putain, on peut pas le mettre dans un joueur. Putain merde. Ah je voulais Laisse le vivre Gator. Putain la vache. En plus ça va être Gator en roue libre, t'es en mode... Gator. Ah mais laisse le mourir. Ouais ouais. Ils sont 5 contre lui non? Ouais. Ils sont 150. Tu veux qu'on lui demande qu'il fasse un attentat suicide? Ah oui la grenade on l'a jamais fui en place. Eh regarde il est derrière lui le mec. Il l'a pas vu. Gator, Destin fait un attentat suicide. Tu lui dis qu'il... Il était là. Attentat suicide avec ta grenade, Gator. Allah est avec toi. Pense aux 72 vierges. On vient de lui transmettre. Il a pas répondu. Il est juste ici. Non mais c'est incroyable. Et... Gator, regarde, il est là l'autre. Arsenic. Regarde Arsenic et Gator, ils sont l'un à côté de l'autre. Ah merde, j'étais sur la radio. Oh non, il s'est fait tuer par derrière. Ah, oh putain, le bâtiment. Oh, c'est énorme. Ils se sont mis sur le stream, sur son stream. Non, ils ont... Ouais, j'ai donné le Zeus. Ah, tu leur as filé le Zeus, d'accord. Ouais, c'est tout ce qu'on a. Oh la vache. Oh bah tiens. En vrai, on a piqué combien de personnes dans tout? Une bonne trentaine, hein. Ouais, je pense qu'à mon avis... Oh c'était énorme, franchement la fin là. Bah, c'est pas vraiment juste parce qu'au nombre de morts on est que à 8, à mon avis on a je vous TP avec tout le monde sur le bateau. Est-ce qu'on va se faire lâcher? Ouais non ils vont nous lâcher là, c'est pas bon ça. Donne-nous des armes. Attends je recharge. Donne-nous des armes. Pardon, pas de russe. Regarde y'a plus rien. Y'a plus rien, c'est fini. Pas les cons, par contre y'en a qui sont un peu vénères pour la fin. Sérieux? Ouais j'imagine. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que je vais pas rediffuser le débriefing. Va y avoir du sel, peut-être. Voilà, c'était une mission très sympa, très qui change de l'ordinaire en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce, à l'Instagram évidemment, parce que d'ici 2 semaines, je vais partir à Tenerife. Si vous voulez voir un petit peu comment c'est et puis comment ça se passe. Quand je pars en vacances. Non, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit concept vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve très très bientôt, puisque la semaine prochaine, ce sera une OP Vietnam. Allez, à plus.